Salut tout le monde, alors vous êtes vraiment très nombreux à me demander plus de ce challenge. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je fais un nouveau Polymer Challenge Free Colors. Et aujourd'hui je vais utiliser les couleurs que beaucoup d'entre vous m'ont proposées, ou du moins que quelqu'un a proposé et que beaucoup a liké, je ne sais plus. Du coup les trois couleurs d'aujourd'hui c'est le vert, le jaune et le orange. Donc je vous avoue qu'au premier abord ce ne sont pas forcément des couleurs qui m'inspirent, contrairement au rose par exemple. Voilà, donc dans cette vidéo vous allez voir moins de créations que d'habitude. Je n'ai pas fait les deux créations les plus logiques, donc je n'ai pas fait d'orange ni de citron parce que je me suis dit que c'était beaucoup trop facile. J'ai évité de refaire des créations que je fais tout le temps, comme par exemple les pièces de puzzle. Voilà, vous avez déjà eu les idées et vous savez que les pièces de puzzle notamment peuvent être de n'importe quelle couleur. Du coup je me suis dit je vais faire un petit peu autre chose aujourd'hui et je vais essayer de trouver autre chose qui se font qu'avec ces couleurs là pratiquement, ou qu'on ne voit qu'avec ces couleurs là du moins. Vous allez comprendre en voyant les créations. J'espère que ce tuto, enfin que ce tuto pardon, que ce challenge va vous plaire. Si vous avez d'autres idées de trois couleurs qui vont ensemble ou pas, vous pouvez me les dire en commentaire et puis bah je verrai pour refaire un Polymer Challenge Free Colors très bientôt. En tout cas je vous laisse avec la vidéo et puis bah je vous souhaite bon visionnage.